Moi, je reste un petit garçon. Hein. Je continue à l'être quand je vois des personnalités que, pour qui j'ai une forme d'admiration. Le plus bel invité, celui qui t'a vraiment fait, sinon pleurer, du moins qui t'a ému, quoi, de tout. Alors, on va parler culture. Meryl Streep. Je pense que quand elle est venue, elle a été d'une bienveillance, d'un regard. En plus, elle a été très émue parce que je lui diffusais un passage de Maria Callas qu'elle écoutait quand elle était petite. Et elle s'est mise à pleurer. J'étais très mal à l'aise. C'est une émotion que j'attendais pas. Et quand je l'ai vue, elle est très bonne comédienne, mais je voyais qu'il y avait quelque chose de sincère, quoi. Et c'était très déstabilisant parce que sur le plateau du 20h, on n'est pas habitué à ça. Elle était très puissante, très forte, une femme que j'admire. Donc voilà. Donc c'est toujours assez. Moi, je reste un petit garçon. Hein. Je continue à l'être quand je vois des personnalités pour qui j'ai une forme d'admiration. De les voir arriver, c'est quelque chose d'assez vertigineux toujours. Et puis avec la nouvelle génération, on essaie de transmettre aussi beaucoup de choses.